C'est une première, une femme aux commandes de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Zakiat Latundji vient de démasculiniser ce poste, jusqu'ici aux mains des hommes, depuis 15 ans d'existence de l'institution. Nous connaissons Zakiat, c'est une dame vraiment posée, c'est une dame, je dirais, combattante. Elle a les atouts qu'il faut et je sais qu'avec elle, on va impulser un dynamisme à l'Union. C'est une marque de considération énorme pour cette femme-là qui a montré son militantisme, qui a fait preuve de détermination. Bonne mandature à la sixième, mais surtout souhaiter que les membres de l'Union puissent s'interroger profondément sur l'évolution de notre militantisme. Cette consécration ne s'est pas faite ex nihilo. Zakiat Latundji connaît bien la maison UPMB pour avoir été respectivement trésorière générale puis première vice-présidente. Désormais au sommet, la présentatrice de Canal 3 compte sur l'appui de tous pour réussir sa gestion féminine des affaires. Je voudrais que cette mission ne soit pas seulement la mienne, mais pas également de toute l'équipe qui m'accompagne, mais de tous les professionnels des médias du Bénin. Je veux compter sur chacun de nous pour la réussite de cette mission, pour que nous soyons tous contents dans 3 ans, quand nous allons nous retrouver pour faire le bilan. Nous serons tous comptables de ce bilan. 3 temps forts ont marqué cette Assemblée générale élective, l'ouverture de la cérémonie, la présentation des différents rapports, puis l'élection proprement dite. 15 membres composent ainsi la nouvelle équipe dirigeante qui dispose d'un mandat de 3 ans. Prosper Nouteou de l'ORTB Rampil au poste de deuxième vice-président, suivi de Rosemonde Tiakwe, secrétaire chargée des relations publiques.